Ça y est, les amis, le président de la République s'est fait gifler. Enfin, on va en reparler après. Et comme disait Sting, je ne cautionne en aucun cas la violence parce que rien ne sort de la violence et rien n'en sortira jamais. Vous le savez que je ne cautionne pas la violence, je déteste ça, quelle qu'elle soit. Mais, déjà, ce que c'est une gifle. Parce que pour moi, il l'a caressé tendrement. Il l'a caressé avec la force d'un poireau asthmatique. Hein. En plus, le mec, on ne sait pas qui c'est, visiblement, c'était un descendant des visiteurs. Parce qu'il a dit un truc, là, chelou, là. La Roche-Valmont, abat la Macronie, que trépas si je fais bleach, tchatchoum, tchatchoum. Je sais pas si c'était Jacou la fripouille, j'en sais un, je veux pas savoir. Mais, remettons dans le contexte. Depuis hier, je l'entends dans tous les médias, et un petit peu partout sur les réseaux. Mon Dieu, quelle horreur, la classe politique, c'est un drame abominable, oh! We are the world, we are the Manu, il Manu, make it a better place, oh non Brigitte, Brigitte c'est lui qui m'a tapé, ah, comme si c'était un drame national et absolu, absolu. Ce qui est dramatique, oui, c'est d'avoir recours à la violence, ça c'est dramatique. Par contre, se faire caresser la joue, c'est pas un drame, c'est pas un drame, c'est pas bien ok, mais c'est pas un drame. Un drame c'est quoi? C'est quand tu peux pas rentrer chez toi à cause des dealers de shit. Un drame c'est quand tu te fais tabasser tous les jours, que tu déposes plainte et que tout le monde s'en bat les couilles. Un drame, c'est quand tous les acquis sociaux sont en train de se faire détruire par lui ou les autres. Parce que c'est tous les mêmes, avant, après, ce sera les mêmes. Hein. Sont tous en train de se faire détruire quand tu fais 12 ans d'études et que tu te retrouves chez Burger King. Un drame, c'est quand tu sors à la rue, tu te fais tabasser pour une cigarette. Un drame, c'est quand tu te fais planter pour un regard. Et ça arrive tous les jours. D'autant plus que quand tu passes ton temps à mépriser les gens, parce que je rappelle que Emmanuel, notre cher ami, passait son temps à balancer des punchlines à base de « si vous voulez du travail, vous avez qu'à traverser la rue, si on veut un costard comme le mien, il n'y a qu'à aller travailler » ou encore « quand j'étais étudiant, je souffrais beaucoup, je ne vivais qu'avec 1500 euros par mois ». Donc le mec, il est comme la TNT, il est complètement déconnecté. Donc à un moment, quand tu passes ton temps à humilier les gens et à être violent verbalement, et même si je ne le cautionne pas et je ne suis pas du tout d'accord, il arrive un moment où tu sais qu'il peut y avoir des tarés qui vont finir par te taper sur la gueule. C'est juste un lien de cause à effet. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte. Non, ça n'est pas un drame. Non, ça n'est pas un deuil national. Un deuil national, si tu veux, je t'amène dans mon ancien quartier, tu le vois tous les jours ce qui se passe. Quand tu as 70 ans, que tu es obligé d'aller en EHPAD, de vendre ton appartement alors que tu as travaillé toute ta vie, tu peux même pas te payer 3 petites cacahuètes ou 3 petites crunch chips là pour regarder des meufs sur Énergie 12. Ça, c'est un drame. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, il faut arrêter hein, le cinéma. Alors, stop. Voilà. La violence, non, non. Le cinéma, non plus. Allez.